Rendre un hommage comme ça à leur petite fille, c'est quelque chose d'extrêmement éprouvant. Et je pense que ça s'est vraiment déroulé autant dans la douleur que dans la dignité. Je veux bien être transparente, mais pas au point de contrarier l'enquête. Ce ne sera pas aujourd'hui, donc? Je n'en sais encore rien, mais vraisemblablement pas. Il garde la même position. C'est-à-dire ? La position, effectivement, de dire que ce n'est pas lui. Mais c'est sa position à lui, il a le droit de mentir, il a le droit de se taire. Ce sont des principes, évidemment, qui sont toujours reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme et par notre Constitution belge. Qui confirme purement et simplement l'ordonnance de la Chambre du Conseil et qui ne motive pas sa décision. L'ordonnance est donc de maintien en détention préventive par l'arrêt qui a été prononcé. Mon client est maintenu pendant un mois.